Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça commence super bien. Franchement c'est la meilleure intro ever, je crois, depuis longtemps que j'avais pas vu ça. Donc City Crisis sur PlayStation 2. Donc on va découvrir ensemble, je n'ai jamais joué à ce jeu. Sélectionnez éléments facultatifs. En tout cas on a joué en français, ça fait plaisir. On a le training mission, record option, on va voir un petit peu ce qu'on a comme option. Option son. On a le BGM level, le SE level. Je pense que ça va être un peu fort, peut-être dans le doute je vais baisser un tout petit peu. On va voir les contrôles un petit peu, ce que l'on peut faire. Alors, type A, type K. Donc apparemment, on peut envoyer un missile avec le R1, on peut dash donc gauche-droite avec le L. L1, overspray, je sais pas ce que c'est. Spray, je pense que c'est pour envoyer peut-être de l'eau ou quelque chose. Forward, down, alors ça se joue avec les... Ok. Ok, ça se joue avec les joysticks. Down, rotate left, rotate up. Ok, bon, je sais pas ce que ça va donner en vrai au niveau du maniement. Niveau du système, qu'est-ce qu'on peut changer? Sauvegarder et charger. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas de sauvegarde, donc rien à charger. Sélectionner éléments facultatifs. Bon, bah, c'est parti, on va faire un bon training pour découvrir un petit peu le jeu. Sélectionner menu d'entraînement. Donc on a le combat contre le feu, rescue les gens, décidément, manque de vocabulaire, c'est impressionnant. on va faire un mode flight pour apprendre déjà à voler, ça sera pas mal. Alors on a plusieurs machines si je comprends bien. On a le dolphin, donc avec un top speed au maximum, rotation en moyen, body 5 et peu de capacité. Alors oui, il y a encore moins de capacité, mais apparemment il tourne un petit peu mieux, j'ai l'impression. On a le lobster, donc le j'ai encore oublié le nom, c'est pas grave. Top speed moyen, rotation moyen, body maximum, capacité 8. L'homard, voilà, décidément. On a des machines que l'on peut débloquer plus tard, apparemment. En tout cas, une. Parce qu'il y en aura d'autres après. On va commencer avec le tout premier, de toute façon, on sert à laisser un peu tous. Alors, auto hovering, je sais pas ce que c'est. On va le mettre oui. Et à nous dire ce que c'est, j'ai parlé en même temps. Félicitations. Donc vous aurez compris, un jeu où on sauve des gens. Ça, ça fait plaisir, c'est rare. En général, on tue tout, on casse tout. Là, on va un peu aider. Dresser sur l'héliport. Alors les graphismes, City Crisis, ça fait penser un petit peu à... Alors c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression de revoir un petit peu du SimCity sur 64DD, mais un peu amélioré quand même. Là, on a, je sais pas ce que c'est. Ah, et on va décoller. Ok. On va apparemment peut-être atterrir là-bas. Donc, c'est parti. On a des points de passage. Pardon. Alors, allez dans la direction de la flèche. Déjà, on va dans la direction de la flèche. Sauf qu'il faut que je traverse les anneaux. Alors, comment on monte ou on descend? Les boutons sur les côtés ne font rien. Non, ça, c'est alors rond, ça me permet de faire descendre. Ok. Là, je peux envoyer de l'eau. Ok. Donc, si j'appuie sur la touche L et que je fais haut droite,
c'est chaud. Et que je fais aux droites. Pourquoi je me suis loupé? On va remonter un peu. Voilà, donc L plus les boutons directionnels, en fait, ça me permet de... Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Tirer. Down speed. C'est bon? Je suis passé? Normalement, je devrais pouvoir tourner. Ah oui, ok, si je fais ça, je tourne avec. Okay. Donc là, je vais baisser un peu. C'est pas évident, hein. Je vous avoue, au départ, remanier... On va baisser un peu, on va traverser les anneaux. Ok. Il faut vraiment prendre l'habitude de gérer ce bouton L en même temps. Bah, c'est bon, non? Ouais, c'est bon, ok, je suis passé. Alors, je vous laisse apprécier le décor du jeu pour le moment. Parce que je vous avoue que c'est assez compliqué. Alors, je peux tourner sans forcément straffer, hein, par contre. Enfin, si je fais que droite, ça passe. Par contre, on va avancer vers la flèche. Ah, ok, donc il y avait un point de passage ici. Donc on va tourner. Hop. Non, dans l'autre sens ça marche peut-être. Ouais, c'est bon. Dans l'autre sens ça marche, on strafe, on tourne. Doucement. Ok, là c'est passé. Ouais, je pense qu'il y a une vitesse de passage qui fait que... Si on passe trop vite, le jeu refuse. Alors attends, on va essayer de remonter. Oh, c'est pas évident, hein. Je vous le dis au début, ça va pas être mince à faire. J'ai perdu beaucoup de temps en plus déjà. Oh, c'est bon, ça c'est bon. Ah, il y en a encore un, attention. Il y en a encore un, on se tourne, on se lève. Enfin, on essaie en tout cas. Ok. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Oh là, j'ai du mal à tenir. L'avantage c'est que le stationnaire lui tient bien. Ok. Ah, je peux vraiment le prendre plus vite que ça, ça c'est bien. Par contre j'ai du mal à prendre les courbes comme il faut. Je crois que le hipport était par là. Attention, il nous reste 70 secondes. Donc là on va remonter un peu. Voilà. J'aime bien quand elle me dit vite. Donc là on va atterrir, on se met dessus, on baisse. Quoi, moins 100 points? J'ai tapé trop fort. Mission terminée. Mission terminée. Alors le jeu c'est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui nous parle en français. Ça c'est quand même sympa, on n'a pas des voix en anglais avec juste un sous-titre en dessous. On a vraiment le jeu full French. Enfin full French. Sauf le menu. Qui n'est pas en français. Dommage. Alors maintenant on va faire une training, on va faire le mode rescue. Donc avec le rond, j'ai vu tout à l'heure, on pouvait... Alors je peux te changer, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Goldfish, poisson rouge. On a réussi tout à l'heure à faire descendre la personne avec le bouton rond, donc je pense qu'on va faire pareil. Les décors sont quand même plutôt fournis, hein, au niveau de la ville. Bon, certes c'est des cubes un peu partout, mais il y a quand même pas mal d'animations autour, j'ai l'impression. Bon, on voit pas trop les gens autour de la... On voit pas beaucoup de piétons. Mais quand même. Ils ont fait un petit effort au niveau du décor. Il va falloir passer par là, si je comprends bien. Il y a un feu. Ok, il y a un feu sur un marché. Donc c'est parti. Alors c'est évidemment du time, il va falloir avancer, il va falloir faire mission start. Alors regardez, parce que là c'est un peu bizarre, la direction de la flèche, mais quelle flèche? J'ai un peu deux flèches en même temps, donc du coup... Par contre, il y a un truc que je ne sais pas comment faire. C'est comment faire pour tourner en même temps. Est-ce que le jaune c'est là où je suis censé m'arrêter? Si, c'est bon. Je vous en prie, aidez-moi, je vous en s'il vous plaît. Ok. Ah, faut que je baisse un peu. Voilà, c'est bon. Là, je vais me déplacer un peu. Hop, j'appuie sur rond, il remonte. Parfait. Aïe.
Atterrissez à l'héliport. Ok. Bah, l'héliport, je sais pas trop où il est, mais. On va un peu remonter. Voilà. Comme ça, on essaiera de se prendre des murs, ça serait quand même intéressant. Par contre, je sais pas où est l'héliport. Est-ce que c'est le point bleu? Est-ce que c'est le point jaune? Je sais pas du tout. On va aller chercher le point bleu. Hop, 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 attention. Aïe. Bah, je pense que l'héliport est là. Ouais, c'est bon. Donc, le bleu, c'est l'héliport. Et de rien, c'est tout naturel. Alors je pense que j'aurais dû peut-être prendre aller chercher la flèche jaune, peut-être qu'il devait y avoir une autre personne à sauver, là j'ai fait qu'une seule personne. J'ai vu en bas à gauche qu'il y avait plusieurs personnes, enfin il y avait le... On voyait le petit image de la personne que j'avais dans l'hélicoptère. Et il y avait l'air d'avoir plusieurs emplacements, donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 4 sur celui-là. On va faire le firefighting. On va contre le feu. D'ailleurs ça fait penser à quelque chose, j'en avais parlé un peu en off à... Je sais même plus à qui d'ailleurs. Je repense à la série des Flight Simulator. Pourquoi ils font pas un Flight Simulator avec un petit mode rajouté au jeu qui permettrait par exemple d'éteindre des feux de forêt par exemple. Imaginez que vous serez aux commandes d'un Canadair ou d'un hélicoptère comme ça qui récupère de l'eau. Et votre but ça serait d'encercler un feu par exemple dans une zone n'importe où dans le monde quoi, avec un petit scénario derrière, ça serait vraiment cool. On va essayer donc. Le homard, qui a l'air d'avoir une tête de fou, mais bon, écoutez. Hein. Homard. Natif du Pakistan. Donc, changement court. Les changements sont plutôt courts, ça c'est bien. J'ai pas trop de chargement. Donc, du coup, on va regarder un petit peu la caméra où il faut aller. Oui, quand même, il y a pas mal de véhicules. Alors, je vois pas beaucoup de gens au sol, ça c'est vraiment dommage. Regardez le parc sur le côté. Alors j'ai l'impression que c'est la même ville que tout à l'heure, sauf qu'on l'a pris dans un sens différent. Donc là il y a le feu. Donc du coup, on va devoir l'éteindre. Alors normalement, si je me trompe pas, il y a la touche. Je crois que c'est la touche R1 ou R2. Ça permet de balancer de l'eau dessus. Et c'est le bâtiment de Tech2 qui est en train de brûler, attention. Allez, c'est parti. La flèche. Et attends, je ne comprends pas trop, c'est que là c'est rouge. La flèche est rouge. Ah non, c'est ça, on va vers le bâtiment de Tech2, donc normalement c'est bon. Alors peut-être qu'il faut que je baisse un peu. Ouais, je pense qu'il faut que je baisse un peu là. Ah, lancer des missiles! Ok, il faut d'abord lancer des missiles. Voilà, ok, donc mes jets d'eau se tarissent, du coup. On va attendre un peu. On va tapoter. Est-ce que j'ai encore des missiles? Non! J'ai pas de missiles, donc je vais tirer ici. Ah, j'ai réussi à enlever une zone, ok. On va faire progressivement. Allez, il nous reste une partie là à faire. Ouais, je pouvais aller plus vite, je pense. Par contre, je vais pas avoir vraiment le temps de finir là. On a réussi. Je pensais qu'il aurait fallu qu'on revienne à l'héliport, mais c'est pas logique puisqu'il n'y en a personne à récupérer. Et vous voyez l'emplacement qu'on avait en bas, on en avait à peu près 8 je crois. Ce qui est que par exemple avec celui-là on va être plus lent, mais on va pouvoir récupérer plus de gens en fait en une fois. Donc ça va nous éviter de faire des allers-retours constants, etc. Même si l'hélicoptère est pas très rapide. Bon, on a réussi les trois, donc ça c'est bien. On va faire une première mission, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors du coup... Sélectionner mission. Alors, on a du Rescue, Chase ou Final Rescue. On va prendre le premier. Première mission de Rescue.
body, rotation, capacité. Bon, écoutez, je vais reprendre le premier. De toute façon, on a vu un peu les trois. Alors, je me suis un petit peu trompé. On peut monter, descendre sans forcément appuyer sur la touche de strafe. On peut faire haut bas avec le croix directionnel pour monter, descendre. Voilà, je me suis embêté depuis tout à l'heure, mais ça sert à rien. Localisez le feu en ville et éteignez-le. Alors, un bâtiment est en feu. Allez sur le site et éteignez le feu. Je répète, un bâtiment est en feu. Allez sur... bon, c'est bon, compris. Sur le site immédiatement. Immédiatement. Bon, c'est la première mission, j'imagine que ça peut être la mission la plus difficile. Mais on a été quand même pas mal pris par le temps dans la mission 3, enfin dans l'entraînement 3, donc peut-être que... Oula, ça va monter là. Ok. Donc c'est parti pour le premier bâtiment. Oh, les gens vont brûler, il va falloir les sauver. Alors le truc, c'est que je sauve en même temps des gens. Parce qu'on a un policier et il y a une autre personne. Allez go, on va essayer de perdre le moins de temps possible. Ouais, je vais aller chercher le pont orange. Directement. Ouais, c'est bon, c'est ici. Alors, on va se tourner un peu. Un problème, c'est que je peux pouvoir brancher beaucoup d'eau. Ah, j'ai pas assez d'eau. J'ai pas assez d'eau. Ouais, il va falloir que j'avance. Il a l'air d'être vraiment en mag, lui. On va essayer de prendre celui-là. On va essayer de prendre une deuxième personne. Voilà, on a récupéré les deux. Donc ça, c'est bien. Il nous reste 105 secondes. Maintenant, faut qu'on passe en mode... Donc là, je vais essayer de faire des points supplémentaires. Et après, on va retourner à la base. Alors attendez, je vais essayer de baisser un peu. Voilà, il y aurait 60 secondes. Je vais balancer tous les missiles que j'ai. Allez, on va revenir à la base et on va ramener. On va revenir à la base, on va ramener. Ah, il y a un accident. Ah, vous, ce que vous pensez que je. Aïe aïe aïe, je me suis pris le. Ça va, l'objectif a changé. Aïe, mais je fais n'importe quoi. L'objectif a changé. Mais ils m'ont remis un. Ils m'ont remis du temps, donc ça c'est bien. Ouais, je veux bien, je vais t'aider, mais. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors attendez, on va descendre là, apparemment il y a un truc. Ok, on va remonter un peu. Ah, le fait de l'avoir récupéré, ça m'a donné une bombe en plus. Ça va me permettre d'avoir plus de facilité à éteindre le prochain feu. C'est assez intéressant d'aller chercher les cibles annexes. Oh, y'a un chien qui est bloqué. Vite. Alors, je vais descendre un peu. Ah, ça a carrément pris feu, quoi. Allez, le chien. Yes, ça c'est bon. Donc là, on a pris tout le monde. On va essayer d'éteindre le feu rapidement. Donc,
On va se retourner. Oula, ça rame un petit peu. On a réussi. Et il y a encore une target qui est arrivée. Du coup, on va aller chercher directement la cible. Enfin, normalement, si je suis intelligent, je vais aller d'abord ramener les gens, puisque je ne vais pas avoir le temps. Je ne vais pas avoir le temps de... bah c'est bon, ils sont juste là. Ouh, aïe, aïe, juste devant. Voilà. Non, on va descendre doucement. J'aime bien le merci, merci. De rien, de rien, de rien. Allez, c'est parti, on va aller chercher encore une cible. 333 secondes, donc là on a un peu plus de temps. Alors j'imagine que plus on va avancer dans les missions, bien entendu, plus ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus, il va falloir faire beaucoup plus vite. Là on va en profiter pour récupérer des gens. Hop, alors j'ai vraiment du mal toujours avec le maniement, vous en rendez compte, je pense que j'invente rien. On va baisser le... On va baisser. Allez. Hop, va falloir incurver un peu. Voilà. Oui, oui, je t'aide, c'est bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est long, vas-y. Ouais, les gens sont faits en 2D sur les côtés, c'est assez bizarre. Alors par contre, je n'ai pas de jauge de vie de mon hélicoptère, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que j'ai tapé plusieurs fois bah, les bâtiments, en fait, avec. Ouah, genre ici, par exemple, voilà. Et pourtant, bah, j'ai rien eu de spécial. Oh putain, ils sont tous morts. Alors attendez, on va quand même essayer de sauver quelqu'un là-bas. Je vous en prie, ah. Ils sont tous morts, les pauvres. Putain, ils sont tous morts. J'ai fait tellement lentement que... Mais est-ce que je peux prendre quelques... Est-ce que je peux récupérer des gens quand même? Ça sert à rien, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien, je ne peux pas les... Je peux sauver personne en fait. Ah, je crois que j'ai explosé une ambulance là. C'était pas prévu. Ah, le problème c'est qu'elle a explosé en fait là. Allez vite, il me reste 190 secondes. J'ai vraiment du mal à bien viser la partie humidifiée. Et là on perd du temps malheureusement. Bon, j'ai pas pu les sauver à temps, hein, vous avez compris. Il y a 4 morts sur les côtés, je pense qu'on va pas avoir une bonne note à la fin de la mission. Par contre le coup de aidez-moi en train de crever, magnifique quoi. Le bâtiment il est vraiment en feu de fou partout. Et je pense que j'aurais pu les sauver, j'aurais pu avoir les bombes. Et il met du temps à recharger quand même. Ok. En fait, faut tapoter un petit peu, j'ai l'impression que ça fait quand même baisser pas mal. Ça rapproche. Il me reste plus que 107 secondes, hein, le temps à me brouiller. Bon, ils sont tous morts, hein. De toute façon, c'est fichu quoi. Je pense que j'aurais pas sauvé grand monde malheureusement sur cette partie.
Ouais, taper comme un bourrin, ça sert à rien en fait. Envoyer de l'eau comme un bourrin, ça sert à rien, faut vraiment être progressif. Bon, on a réussi. Enfin, on a réussi. Non, il y a eu 5 morts, Mission terminée. mais bon. En fait, j'aurais pas perdu mon temps dans la troisième partie, j'aurais peut-être pu les sauver. Mais même, il n'y avait pas beaucoup de temps restant. Résultat de la partie. Je m'y attendais. Regardez, on a fait du coup, on a sauvé que 6 4 personnes sur limite. Et on a 2 sur 14, donc les personnes qui étaient un petit peu annexes. On a fait 80% de fire damage, donc ça c'est bon. Par contre, on avait 73% de machine damage, donc peut-être qu'en fait, au bout de 100%, on aurait cassé l'hélicoptère. On a l'unité missile 0. Il nous restait 76 secondes, donc on a vraiment un rang pourri, on est E. Je vais pas se regarder les données. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors, on va essayer les missions de Chase. Il y en a la finale rescue. Alors, par contre. Ah, regardez, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une flèche à côté de faire une building et pareil pour le hijacked bus. Donc, je pense que quand on réussit peut-être la mission un peu mieux, donc ce que le rang E. On va dire peut-être le rang A, B ou C. On peut débloquer en fait des missions sur les côtés, mais pas qu'une mission. Voilà. Donc là, on va essayer la mission Hijack Bus, qui est une mission de. Pardon. Un peu policière, j'ai l'impression. Parce qu'il va falloir. Sélectionner machine. Il va falloir essayer de la prendre en chasse. On va prendre le. Cette fois-ci, je vais prendre ça. Un petit hélicoptère. Poisson. Stationnaire auto. Alors, vous voyez, il y a vol stationnaire automatique. Je me demande si, quand on désactive ce mode, si c'est pas encore plus difficile. Accident, accident. Un passager a détourné un bus de tourisme, de touriste, pardon. Localisez ce bus sur la route, gardez votre projecteur dessus afin que la police le trouve. Ouh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que vu le maniement des hélicos, je pense qu'on va galérer. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Bon, le bus, je l'ai vu, il est vers là-bas. Alors attends, attendez, attendez, attendez. On va se baisser un peu. Oh mon dieu, on va se baisser. Je vais pas y arriver. J'arrive même pas à me baisser. En fait, le problème qu'il y a, c'est que pour me baisser, il est passé où? Apparemment, ah, il a fait le tour, il a fait le tour. Le problème, c'est que voilà, pour tourner, je fais ça. Pour tourner, je dois faire ça. Mais pour. Enfin, c'est incontrôlable quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est inversé au niveau des manettes. C'est-à-dire que si je tourne, je ne peux pas. Enfin, je suis de la route. Oh mon dieu. Voyez, si je veux tourner, si je veux monter, descendre, c'est la croix. D'accord? Jusque-là, ok. Le problème. Le problème. Problème. C'est que si je veux tourner en même temps, je dois mettre mon pouce de gauche. Mon pouce de gauche pour avancer, reculer. Et je dois aussi toucher les directions gauche-droite. Je dois toucher aussi les directions gauche-droite avec le même côté de la manette. C'est injouable en fait. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Si je suis obligé de là par exemple, je sais pas pour vous montrer la manette, mais. Du coup, je commence à fumer avec l'hélicoptère. Mon dieu, mon dieu. Il faut que je me baisse en plus. Oh mon dieu. Putain, je vois pas. Je vois vraiment pas par quel miracle je peux. Je sais pas comment le manier ce truc. Et encore là, j'arrive à le suivre. Il est parti par là. Il est parti par là. Ouais, non, mais c'est. Je vais essayer de vous expliquer une dernière fois. Pour pouvoir tourner gauche-droite,
faire retourner. J'ai oublié d'utiliser la croix directionnelle sur le main. Vous imaginez une main de play 2. D'accord. Donc gauche-droite, la main de play 2. Et en même temps, pour pouvoir le faire pivoter à gauche ou à droite, je dois toucher le joystick gauche pour le faire avancer ou reculer. Vous vous doutez bien que je n'ai pas 10 doigts sur la même main. Donc j'ai oublié de mettre les deux mains de deux côtés, du même côté de la manette. Enfin, retry, c'est pas grave. Bon, j'ai peut-être raté un truc. Je vais d'utiliser l'autre gâchette pour... Allez, reparer, c'était bête. Non, je ne peux pas. Je suis obligé de faire avancer. Ouais, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment, là... il va falloir comprendre que ce n'est pas physiquement possible de faire ça, quoi. Alors, je vais essayer de le rattraper quand même un minimum. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, je me débrouille un peu mieux parce que je commence à prendre l'habitude quand même, mais c'est pas du tout intuitif, quoi. Il aurait fallu que je puisse bouger l'hélicoptère avec le joystick de droite. Enfin, le faire avancer, reculer le joystick de droite. Et le faire tourner avec le joystick de gauche. Ça aurait été plus logique. Bon, en tout cas, là, je le suis. C'est la bonne nouvelle. On enchaîne les points. L'avantage, c'est que j'ai vraiment pris la bonne hauteur. Tous les flics sont en train de se rassembler. Bon, je suis vraiment meilleur que tout à l'heure, ça c'est la seule bonne nouvelle. Aïe. Aïe, attention. Ah, mais je vais pas rester bloqué là, c'est pas possible. Il est passé où? Il est passé par là. Il est passé par là. Waouh. Ah, mais je suis où là? Ah, c'est bon, il va revenir vers là. On va essayer de le... Eh non, c'était pas par là. On va essayer d'aller le plus vite possible pour le rattraper. Il est là. J'ai oublié d'avancer. Allez, il nous reste 109 secondes pour le coincer. Il s'est bloqué dans un lieu. Ouais, c'est bon. Allez, essayez de le coincer, les flics, là. Il faut le coincer. Ils allaient où? Il a traversé le truc. Il traverse les bâtiments, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce bus? Ah, on a réussi, c'est bon. On va rester 52 secondes. Bon, j'ai réussi, mais honnêtement, voilà, comme je vous dis, le maniement, là, il y avait un truc qui allait pas du tout. C'est pas logique de pouvoir devoir manier un truc comme ça. Enfin, c'est pas comme s'il manquait des touches sur la main de Play 2. J'ai eu un rang E, quoi. J'ai même pas réussi à avoir un bon rang. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Alors non, je sauvegarde pas. On a le Final Rescue, mais j'ai pas débloqué pour le moment les autres modes. C'est un peu dommage. On a l'émission. On a un time attack apparemment aussi, mais je l'ai pas débloqué. Bon, j'imagine que quand on fera un bon score. Quand j'aurais fait un bon score, je pourrais débloquer les autres missions. Donc pour le moment, c'est pas le cas, mais bon, pour cela, il va falloir refaire les missions. De toute façon, vous avez compris le principe du jeu, hein. C'est de la salle du sauvetage où on va aider les flics, où on va enlever le feu. Donc c'est plutôt original dans le concept, enfin c'est original, le truc le plus original du monde, mais je veux dire, en jeu vidéo, il n'y a pas beaucoup hein, de jeux comme ça. Et franchement, allez, à part le maniement qui est quand même désastreux, hein, vraiment, je le dis, je le redis, après, évidemment, à quelques heures, je pense qu'avec l'habitude, c'est plus fluide, mais c'est pas facile quand même, hein. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu mieux agencer le choix des configurations de touches, parce que ça gâche pas mal un petit peu le...
bah, le fun quoi du jeu. Par contre, c'est assez drôle, c'est plutôt bien. Je suis content que ça ait été traduit dans les langues, en tout cas à l'oral. J'imagine que l'édition va être de plus en plus dure, peut-être encore plus intéressante après. Donc c'est vraiment un jeu à tester. Je vous conseille vraiment d'essayer ce jeu, ou vous ferez votre propre opinion. De mon côté, j'ai plutôt bien aimé, pour le peu qu'on y a joué bien sûr. Après, je sais pas si ça va être redondant ou pas, quelle est la durée de vie totale du jeu. Mais en tout cas, pour ce style de jeu assez rare, je le trouve plutôt bien fait. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Quelle petite musique sympa d'ailleurs.